Triple perf. Je te laisse passer devant pour que tu rattrapes ton retard. Magnifique. Magnifique. No hit. C'est par là-bas. Oh, est-ce que je suis allé deux? Non mais attends, j'ai trollé. J'ai un problème d'orientation dans les jeux, vous moquez pas. Le petit happening, c'est parti, on va commencer avec le premier. Ils en envoient deux, tu dois deviner laquelle est la bonne. T'inquiète, ils en envoient une première, donc wow. Ils vont en envoyer une deuxième, bien sûr, et tu vas devoir deviner laquelle est la bonne. Oh, c'est pas facile, hein, parce que souvent, tu t'intéresses pas trop aux détails. Est-ce que c'est la 1 ou la 2? En fait, j'ai envie de me dire que c'est celle-là. Celle-là? Celle où il n'y a pas le détail, ouais. Ok, du coup, c'est la 2, c'est celle-là la bonne. Oh, j'aurais jamais trouvé. Oh là là. Ok, on commence sur un petit faux, mais... Après, moi, j'ai un selfie avec. Hein, donc, Vous devriez donner cette ligne édito à Popcorn, là. Ils devraient faire ce jeu. Des jeux sur l'art, comme ça. Non, ils préfèrent nous demander ce que les Français mangent entre midi 5 et 10. c'est le mec aigri de ouf. Mais ce sera encore plus beau si on arrive à aller chercher la victoire comme ça. C'est ça qu'il faut se dire. Mais puisque ça, il faudrait que je vois. Je disais que je pense. Tout à l'heure, Trixie pensait que j'allais lui faire deviner Vincent là. Pourquoi? Allez, on envoie un nouveau mot. On enchaîne. Et Ryan, en plus, on enchaîne. Mais il s'est enfermé dedans. Il s'est enfermé dans un personnage. Étoile. Il est arrivé. Spacing parfait. C'est magnifique. Spacing encore parfait. Aucun problème. No hit à partir de maintenant. J'ai pas le knowledge, je me fais match-up check. Counter parfait. Bourre. Et boum. Quoi? Okay. Oh les mouvements! Les mouvements! FF. C'est magnifique! Ok. Vous inquiétez pas, je no hit. Ok, j'étais pas loin. Arrête mec, t'es trop négatif. Regarde, je vais te mettre du sourire tout de suite. Et voilà! Hey. As-tu vu? As-tu vu les canouilles? T'as vu comment c'est trop drôle ça? As-tu vu les belles canouilles? T'as vu c'est trop... C'est marrant de ouf hein. Mec, regarde ce qu'il y a écrit dans le cœur mec. Putain, y'a toi et moi mec. Mais oui. Antoine et Étoile. Mais mec, mais putain. Eh ouais. Eh tout ça c'est le destin mec. Et moi qui l'ai fait en espérant un jour tomber dessus sur GeoGuessr. Putain, et après toutes ces années t'as enfin réussi ton objectif. Ok, le chat d'étoile, je vais vous raconter des blagues. Quel est l'arbre préféré du chômeur? Le boulot. Ah, qu'est-ce qu'une frite enceinte? Une patate sautée. Bah c'est pas mal tout ça, voilà. Bah écoutez, le chat d'étoile, c'est... Voilà, écoutez. Ma chaîne, c'est Antoine Daniel, si jamais. Si vous voulez des trucs un peu comme ça de temps en temps, voilà, bah c'est... T'as été fort, mec. J'ai été exceptionnel. Let me explain my shit. Vas-y, vas-y. Let me explain my shit. Ouais, comme tu veux. If we do 4 races... It can be like pretty awkward, but if we do 8, no shot. Quoi? Tu me trouves pour un petit couillon? Est-ce que c'est comme ça maintenant? No, but if you lose this, you can't be French anymore. I can't be French? Oh, that's sad. Attention les yeux! Oh, GG's, man. That was so sick. I'm done. I'm not playing it. I'm not playing it. No. This is a fucking scam, man. It's a scam. You need to believe on yourself. Put the end in your heart. I believe too much in myself. Y'a un mec qui upload des combos de folie. Attends, je veux voir. Oh, oh la dinguerie. Oh.
Oh, d'accord. Le diabète au Moyen-Âge, tu tenais moyen. Au contraire, en fait, il y aurait tellement de sucre dans mon corps, mon sang se serait transformé en caramel, j'aurais vendu mon sang dans une boulangerie, je serais devenu milliardaire et je serais devenu forgeron après. Moi, j'ai le diabète de type 1, qui est ce qu'on appelle le diabète pas de chance. Pour expliquer très facilement, c'est pas un problème d'avoir trop de sucre dans le sang, c'est le fait d'avoir un sucre qui n'est pas régulé. Exemple, tu vas dans un grec, tu vois, tu manges un kebab, toi, ton cerveau, il va dire « Zach, a mangé un kebab, bla 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 !» Boum, production d'insuline, ton taux de sucre est... Ton taux de régulé. Et moi, je mange un kebab, mon cerveau « I don't remember the people we used to be !» C'est genre, il fait rien. Bonjour à tous, c'est les admins de QSMP. Aujourd'hui, on a vu qu'Étoile allait se connecter sur le serveur. On va faire un petit concours de build. Il va falloir placer de la laine, il va falloir dire le nombre de choses qui vous rend heureux dans la vie. Ah, mesdames et messieurs, on est mardi soir. Ah, vous êtes en train de me dire que Étoile n'est pas là parce qu'il doit... Ah, il a quelque chose d'autre à faire. Ok, on met 67 workers sur empanada. 67 workers sur empanada, force 19, hein. Oh, please, food, please, please, thank you very much. Non, mais please, give... Ah, he took my food, please, please, give me my food. Oh, arrête de me donner des coups, on a pas de bouffe! Ok, c'est bon, j'ai toutes les infos normalement. Ok. Ok. C'est une dinguerie en vrai. Ok, vas-y. Une dinguerie, bro. Vas-y, attends, j'y retourne là. Ok, ouais. Okay, okay, okay. J'ai gagné un peu de pain en vrai en gagnant le truc de PVP, j'ai 9 de pain. Ouais, moi, tu sais ce que j'ai fait, mec? T'as fait quoi? J'ai perdu le truc de PVP alors que j'ai 26 coeurs. Voilà. I wanted to ask you a question. I asked you a question, can you answer? Oh, sorry, you didn't have... Okay, my question is... Can you answer? It's simple, it's like... I just want to know if... Okay, so you don't know anything, like... Il va arriver à faire... Oui, je suis là, oui, je suis là, désolé pour le retard, désolé. Il va faire ça, Étoile, quand il va arriver. Je suis désolé pour le retard, j'en suis malade, j'ai... envie de vomir. Sache que dans Sea of Thieves, tu peux vomir justement. Ok, et j'ai récupéré. Ah, Minto s'est déjà bourré. Ah, tu peux être bourré dans le jeu? Ouais, ouais, il a bu et il vomit là. Minto, c'est. Viens là, viens là, mec. T'entends la musique de merde qui joue là? Là, derrière. Il est bourré. Ouais, il vomit dessus. Ouais, il me vomit. Il t'a vomi dessus, mec. Mais c'est Minto CRL. Il va falloir virer sur bâbord très vite parce que, ou tribord parce que là, on va rentrer dans un rocher sinon. Donc, okay. Tribord tout de suite. Trop tard, je vais bâbord. Sinon. Non, Minto, m'a vomi dessus! Je vois rien! Alors, vite tourner là, vite. Mais ce que je fais! Mais Minto, c'est une la game! Fais attention au coffre Anton, parce qu'apparemment, c'est le meilleur coffre du jeu. Ouais, tu sais que t'as différents types de profs déjà, mec, et ensuite différents types de coffres. Et t'en as un que j'aime beaucoup, c'est le coffre qui pleure. Et quand tu le mets dans ta cale, il pleure et tu dois écoper constamment tant que tu l'as pas rapporté parce qu'il noie ta cale en fait. Oh la dinguerie! Et t'as le meilleur coffre du jeu, t'es le coffre quand tu le portes, t'es bourré. Et c'est quoi le coffre le plus rare? Je sais pas. T'as. Différents types de profs, mec, et aussi des pètes. Donc franchement, je sais pas. Ah ouais, c'est un montage. Oh, le montage de fou. Vous avez vu ce petit réflexe, vous avez vu la même chose que moi. Oh, le montage de fou, c'est trop marrant. Genre là, tu sais que c'est pas lui parce que le crosshair, il est trop bien placé. Après, il est trop marrant, le clip. Oh! Oh, tous les HP. Crazy with the Guardian. Wow, ce que je lui ai mis, frère. Are you making fun of me, you bitch? Ok, sorry. What? Whoa! I was using your words. Not mine. You're the best, man. You are the best. J'y vais, je leur montre. Attention, mec. Je dépêche, j'y vais. Ah, pas. Il y a un problème, la team. Ah oui, j'ai remarqué, oui. Il a vu peur du coéquipier. Je vais me taper des barres. T'as ramené un animal, Mythos? Il a ramené une poule. Je le vois. Et personne ne touche ma poule. Non, laissez la poule tranquille. Le premier qui touche à ma poule. Laissez la poule tranquille. Non, arrêtez. C'est que des pixels, mec, hein. Tu tues pas ma poule. Regarde ce que je fais à ta poule, Mythos. Oh non, la voix de psychopathe qu'il a. Mythos, tu vas me sucer ou je tue ta poule, ok? Tu vas couper ton live, tu vas apprendre à Uber tout de suite, Mythos. Oh, c'est trop mon humour de merde, ça. We can do like, if you drink, I put like insulin bottles in my veins. Are you diabetic? Yeah. Okay. Alright, this could work. This actually could work. It could work, man. We can do like a beer insulin Mario Kart, man. Do you crack cocaine? No, I play League of Legends.
So you do crack cocaine. Yeah, I do crack cocaine, but with the Pike and Yasuo in it. I don't think you're supposed to boost. What the fuck are you supposed to do? Shit. Oh, I'm sick. I got so many diseases. You have something to drink in your hand. What's in my hand right now? I think you have an Xbox controller, a black one, and you have a mic with the beautiful brand of Red Bull. Like it was my penis. Oh, yeah, but the thing, like, when the thing is too big, I can't understand what it is. FF, j'ai même pas... En fait, je vois même pas où est le soleil, c'est hémisphère sud. Vas-y, je vais tenter un truc de taré, je vais me mettre là... Ah, c'était bah oui, il avait la méta. Je connaissais pas la méta. Putain, j'ai pas de chat de tomber. Quoi? J'ai trouvé. Putain, je suis trop fort au jeu en fait. Ok. Et du coup, ouais, tu c'est fais. C'est un truc spécial, faut le connaître ça. Je sais pas si t'as déjà vu. En fait, on dirait Kito. Ah ouais, non. Ok, méta terre rouge. Ok, ligne. Oh putain, maintenant j'ai les réflexes. Ligne jaune. On est pas. On est en Italie? Non. Désolé. Bon, écoutez, jouons un fan game qui a été fait en 2 semaines par une équipe de beaucoup de viewers. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Si le jeu est exceptionnel, je dirais il est exceptionnel. Et si le jeu est nul à chier, je dirais qu'il est exceptionnel. Puisque bah, les viewers ont pris de leur temps. Il y a vraiment du respect à mettre sur ça. Ok. Oh, il y a pas de short top. Le jeu est nul à chier. Putain, il y a pas de short top. Genre, tu peux que full up. Le jeu est nul à chier. J'ai jamais vu ça toute ma vie. Je mets 1 étoile sur 5. Lima, Pérou. Donc là. Alors, actually, drapeau du Pérou peut ne pas avoir l'emblème au milieu, mais... Choisis la bonne combinaison parmi les pages des bloc-notes et n'affiche que celle qui respecte ses 3 fondamentaux. On adore l'histoire et encore plus quand on respecte son ordre chronologique, que ce soit de gauche à droite, de haut en bas. Les hommes masculins ne peuvent pas se blairer, ne les placent pas les uns à côté des autres. Les films et les monuments sont trop fiers. Aucun art ne doit se trouver à côté d'eux. Date de création, année de sortie, année de naissance, année de début de construction. Yo, bah du coup on va aller sur QSMP en vrai, bah, le jeu était trop bien. Ils ont fait un taf génial, hein. Malheureusement... Ah, j'ai plus trop le temps en vrai de jouer. Tout ce que j'avais théorisé dans ma tête, comme quoi mes parents étaient très très sévères mais compréhensifs, et bah ça s'est grave illustré avec le streaming. Je leur ai caché pendant quasiment toute ma vie que j'étais streamer, tu vois. Okay. Ils ont eu aucun moyen de le voir, et ça s'est pas remonté à leurs oreilles. Tu sais comment ils l'ont su? Comment? Quand Macron a tweeté. En gros, je suis invité pour mon premier The Event, et ma mère me dit « Tu fais quoi ?» Et je lui dis « Je vais en vacances à Montpellier avec des amis. » Oh le menteur. Streaming pendant 3 jours et tout, le The Event bat un record et il y a un tweet de Macron pour remercier le The Event. Et en fait, ma mère lisait un article de journal qui mettait le tweet de Macron. Et ma mère, sur WhatsApp, en fait, entoure ma tête. Oh, le truc fait au doigt, là, comme ça, minable. Elle entoure ma tête et elle met un point d'interrogation. Et elle fait un truc en mode... J'aurais fait une game en étant très mystérieux. En fait... Mon gameplay dans cette game... Ah bah... Bah... Eh, hey, tu penses que Seb, il va regarder le live? Oui, il va regarder le live parce qu'il était trop trop chaud. Il était en mode c'est trop trop bien et tout, et il en a parlé à Léna. Seb, être humain de rang S avec qui on visitera forcément un truc un jour. Par exemple, ici, la Joconde, elle est, si vous regardez le haut de la tête et les bras, ça fait un triangle. Léonard va résoudre un problème mathématique. C'est comment on calcule le centre de gravité d'une pyramide. Mais on est où là? On est où là? Est-ce que c'est une caméra cachée? Non, est-ce que c'est un prank national que tu nous fais là devant tout le monde? On est d'accord que c'est pas la vraie Joconde qui est exposée. Mais ça, c'est pas vrai, hein. Ça, je sais pas d'où ça vient. Bah, bien sûr que si. Marie-Anaïs, vérification de la police, s'il vous plaît. Évidemment, c'est la vraie. Elle a failli dire dans ta gueule, bouffon.